Je voudrais rappeler à chacun ce qu'il a dit hier. Aujourd'hui, le gouvernement que vous avez mis en place a les moyens militaires de défendre la Côte d'Ivoire. Nous sommes, et aujourd'hui, même à l'heure où je vous parle, je suis sorti d'une réunion avec le ministre de la Défense pour mettre en place, dans le cadre du budget que nous allons voter bientôt, pour accueillir les premiers éléments de ce noyau de dissuasion. Nous allons l'avoir. Disons, nous allons, en 2001, là, avoir les premiers éléments. Oui, allô, oui, 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 oui. C'est un mensonge. J'appliquerai entre la Côte d'Ivoire et les autres pays la loi de la réciprocité. Quiconque nous respecte, en Afrique et ailleurs, sera respecté. Quiconque veut nous bafouer, sera bafoué par nous. Il faut que cela soit clair, net. Oui, allô, oui, oui, oui. C'est un mensonge. Quiconque vient vers moi avec un rameau d'olivier à la main, je lui donnerai un baiser et je l'embrasserai. Mais quiconque vient vers moi avec une épée, je sortirai aussi l'épée et nous nous battrons. Oui, allô, oui, oui, oui. C'est un mensonge. Je n'ai pas gagné la guerre. Donc l'autre voie qui me reste, c'est de discuter, de faire des compromis. Oui, allô, oui, 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 oui. C'est un mensonge. Je peux être souriant, je peux être affable, mais jamais, en ce qui concerne les intérêts de la Côte d'Ivoire, je ne serai faible. Oui, allô, oui, 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 oui. C'est un mensonge. Je n'ai pas gagné la guerre. Donc l'autre voie qui me reste, c'est de discuter, de faire des compromis. Je m'en vais à Abidjan pour le dire aux Ivoiriens que je n'ai pas gagné la guerre. Il faut donc qu'on en tire les leçons. Oui, allô, oui, 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 oui. C'est un mensonge. Mais quiconque vient vers moi avec une épée, je sortirai aussi l'épée et nous nous battrons. Chers Ivoiriens, tant que je suis là, aucun centimètre carré de la République de Côte d'Ivoire ne sera retranché à la mère patrie. Aucun centimètre carré de la Côte d'Ivoire. Je m'en vais à Abidjan pour le dire aux Ivoiriens que je n'ai pas gagné la guerre. Il faut donc qu'on en tire les leçons. Oui, allô, oui, 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 oui. C'est un mensonge. Moi, les gens, ils ne savent pas que ce que c'est qu'être président de la République. Pourtant, il y en a parmi eux qui ont été présidents. Quand tu as été président, tu as les moyens de voir ceux qui circulent, même la nuit. Tu as les moyens. La police, la gendarmerie, tous les services de renseignement nationaux, même tous les services de renseignement, même étrangers, ils sont là pour te donner les éléments. Donc tu as les moyens de voir tous ceux qui font quoi. Vous êtes laissé surprendre par ce bateau. Mais je vous dirai la même manière qu'on s'est laissé surprendre le 19 septembre 2002 par la rébellion. Je m'en vais à Abidjan pour le dire aux Ivoiriens que je n'ai pas gagné la guerre. Mais les officiers sont là. Et si moi je tombe, ils tombent aussi. Oui, allô, oui, 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 oui. C'est un mensonge. Chers Ivoiriens, tant que je suis là, aucun centimètre carré de la République de Côte d'Ivoire ne sera retranché à la mère patrie. Aucun centimètre carré de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas fait les calculs pour savoir exactement le pourcentage du territoire qu'ils occupent. Mais ce qui est certain, 90% de l'outil de production économique se trouve sous contrôle des forces gouvernementales. Je savais que rien ne se passerait, que ce sont des amateurs. Il ne faut pas laisser le fusil entre les mains d'un enfant. Vous êtes laissé surprendre par, par, par,
par ce bateau, mais je vous dirai la même manière qu'on se laissait surprendre le 19 septembre 2002 par la rébellion. J'ai dit que le nageur, quand il nage dans l'eau, parce que son ventre est à l'intérieur de l'eau et contre le fond de l'eau, et qu'on ne voit pas son ventre, il croit qu'on ne le voit pas, mais on voit son dos. On ne peut pas être placé là où nous sommes placés et ne pas savoir ce que les gens font. Vous êtes laissé surprendre par ce bateau, mais je vous dirai la même manière qu'on se laissait surprendre le 19 septembre 2002 par la rébellion. Quand tu as été président, tu as les moyens de voir ceux qui circulent même la nuit. Tu as les moyens. Je m'en vais à Abidjan pour le dire aux Ivoiriens. Que je n'ai pas gagné la guerre. La mort vaut mieux plutôt que le déshonneur. Est-ce que vous êtes prêt à mourir? Moi, je ne suis pas un kamikaze. J'aime la vie. Ouais. Quand tu as été président, tu as les moyens de voir ceux qui circulent, même la nuit. Chers Ivoiriens, tant que je suis là, aucun centimètre carré de la République de Côte d'Ivoire ne sera retranché à la mère patrie. Aucun centimètre carré de la Côte d'Ivoire. We are. Mensonge.